Sabonia, le monde que tu construis. Qu'est-ce qu'il sent ? C'est quoi l'original ? Je sais pas. Vous savez. Moi, je ne l'ai pas marqué, donc je ne sais rien. Je suis un peu con, des fois. Je suis un peu bête. Non, on ne sait pas tout. Donc c'est, je ne sais pas, vous savez, on a pris, on s'est inspiré de la version de Eva Cassidy. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de l'écouter. Ça s'appelle Katie Song. Par Sully Prudhomme. Ah, ouais. Tu connais hein? Hein? C'est qui? Et j'adore. Ah, j'adore. Donc, Sully Prudhomme, c'est le premier prix Nobel de la littérature. Il l'a reçu en 1904. Je crois. Ouais. Alors, comment on est tombé dessus? En fait, c'est la faute à Martial. Parce qu'il a abonné à un petit. Des revues de Brassens. Alors il paraît que Brassens, dans les années 60 peut-être, il est tombé sur ce texte et il a enlevé les six premières strophes pour en garder cinq, pour en faire une chanson. Est-ce qu'il en a fait une chanson ou pas? Non, a priori non. A priori non. Donc, encore 40 ans plus tard, c'est Marcel Rouillard qui retombe sur ce texte, parce qu'il a vu dans les anecdotes de Georges Brassens qu'il était en train de travailler sur ce texte. Donc, il a dit, si, puisque Georges ne l'a pas fait, moi je vais le faire. Donc, il m'a joué la chanson. Et donc, moi, j'ai craqué tout de suite. Pas pour Marcel, hein, mais pour...
pour la chanson. Et déjà parce que je trouvais la musique très jolie, et c'est aussi un peu parce que j'ai bien aimé aussi les textes, parce que moi j'étais toujours été très, très bon et très sage à l'école, et alors en fait j'aurais aimé être un peu plus rebelle à l'époque, d'être en sorte le dernier de la classe, et pour comprendre pourquoi je voulais ça, il suffit d'aller jusqu'au bout de la chanson. Voilà. Je suis juste dans quelle ligne. Ça s'appelle le gant. Ouais. Thank you.